vous allez. Bon, bon, là, je vais voir le match avec des amis qui m'attendent. Et aujourd'hui, franchement, on prend la coupe. Hein. Vous êtes qui? Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'espère que c'est moi aussi, si on est vainqueur, ben, ça réglera les problèmes du pays. Hein. Et dans quel état voilà. Vous pensez que votre pays ce soir? Ben, ce soir, tout le monde est content, on est tous prêts, on est joyeux hein, ce soir. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter une victoire? Moi, je pense que cette victoire permettra aux populations ivoiriennes de se réconcilier sans toutefois être dans le problème de la guerre. Civil, hein. Merci, donc voilà. Vous allez gagner. On gagnera à tout prix. On gagnera à tout prix. Okay. La coupe est à nous. Okay. Allez, la Côte d'Ivoire. Fouca. Ouais. On est ensemble. Mon test pour du pas, ouais. On va jouer la finale de la Coupe d'Afrique. En toute sincérité, je sais que les Ivoiriens sont confiants. Si Dieu le veut, bien sûr, nous allons remporter cette table. Vous espérez que vous allez gagner. Ouais, nous espérons et nous sommes favoris et on va gagner. Ah, je le confirme. Oui. Donc moi, cette coupe, je la veux, on va la voir. Il n'y a pas de raison. Donc, tous les Ivoiriens sont aujourd'hui en position. Il n'y a pas fait de politique aujourd'hui là. On est avec nous, derrière nos éléphants. Vous laissez politique à gauche, on est frères. Vive la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie et se réunisse. Cherchez l'amour. Laisse tourner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous appelle, si nous avons dans la paix, ramenez la liberté. N'est pas xénophobe. Ils sont hypocrites et racistes. Chaque être humain a besoin de supporter qui veut. Et je suis un Zambien, on m'insulte, on me menace, on me jette des bouteilles. Je ne peux pas.
contribué à la réconciliation de la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine musical, avec deux habitants de Clichy que sont Tiken Jabagoli et Alpha Blondie. On est content aussi que la Côte d'Ivoire soit rassemblée à travers le sport et le foot. Et on veut continuer à travailler ensemble pour ça.
Il va vous montrer qu'il est un grand homme.
Parce que nous, on ne gagne pas autant d'argent qu'on supporte notre pays. Le drapeau, il est là, on supporte notre pays. Donc, ils n'ont qu'à être conscients de cela. Ok ? Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Il y a des fois tristes. Faire un match comme ça, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ils me déçoivent. Moi, je suis déçu d'eux. Je suis déçu. Tranquille, voilà, je n'ai rien à dire. Bon, ils ont perdu, c'est pas grave. Je suis déçu. Bon, c'est une grande déception parce que quand on ne s'attendait pas à ça. Je suis déçu.
Mais quand même, la Côte d'Ivoire et ses joueurs n'ont qu'à se remettre en question. Parce que vraiment, c'était une coupe qu'on devait remporter. Parce qu'il n'y a pas toutes les grandes nations et on n'a pas gagné. C'est une vraie déception. Pour la diaspora de Paris, on est dessus. Ils n'ont qu'à quitter là-bas les joueurs. Là. Ils sont en nuit. Ils sont en nuit. On ne compte plus jamais sur vous. Vous êtes la merde. Ils ne vont plus remporter. Voilà. Ils ne vont plus remporter les victoires. Votre connerie de troubles. Chaque année, on va rester dedans. Depuis 2002, jusqu'à aujourd'hui, en 2012. C'est le même problème. Si tu continues dedans, là, on va rester dedans, on va les laisser l'équipe nationale là. Et puis nous on va rester à côté. C'est un bêtise. Il est le seul joueur qui tire penalty. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autres joueurs. Toi, s'en fout de lui. Pourquoi à chaque fois c'est la même personne qui vient tirer penalty? Pourquoi? Hein? Le capitaine. On peut pas prendre nos joueurs. Dragba, tu es honte pour la Côte d'Ivoire. On avait besoin de cette coupe là. On avait besoin de ça. On a trop fait confiance. Mon frère, sincèrement, on a trop fait confiance à l'équipe nationale. Mais on pensait pas un seul instant qu'on pouvait en arriver là. Les gens n'ont pas voulu la réconciliation. On est là. Les gens n'ont pas voulu que la réconciliation en Côte d'Ivoire. Où on est là? Où on est là? On ne sait pas si on est au ciel ou si on est sur terre. Parce que Drogba, c'est nos stars. Mais là, il ne devait pas tirer. Il a déjà loupé une fois en 2006. Là encore, dans cette carte-là, il a loupé une première fois. Et il s'est rattrapé. Là, il ne devait même pas salir son nom. Mais ce qu'il nous a fait, là, non, on devait faire. Il tous les bâtiers. C'est Drogba, sa mère. Nous là, nous on va monter dans le métro pour aller à la maison. Ils doivent marcher pour aller, Encore une fois, les maudits. Faut rien enlever. Ça là, il faut leur dire ça. Nous là, on est fatigués de cette équipe là. Ce truc là, si je joue plus, ça fait quoi? À la fin, je joue plus, ça fait quoi? Nous, on est fatigués de lui. On est fatigués de lui. Il y a une dispute qui diffère. Moi, je représente aussi Vecho, Oxygène. Voilà. Ce qui vient de se passer, vraiment, c'est un drame pour nous. Sincèrement, moi, j'ai pensé que les éléphants allaient faciliter ce que vivent nos parents en Côte d'Ivoire. Moi, depuis, j'ai dit, je suis pour la victoire de la Côte d'Ivoire, pour quand même atténuer les plaies, pour guérir les plaies en Côte d'Ivoire. Donc, chaque joueur devait se battre pour me sauver, pour me rendre hommage à ceux qui sont morts, qui sont tombés sur les balles, à ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire. Les vrais bourreaux de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens, ce sont les éléphants. Monsieur, il n'y a rien à dire, les Ivoiriens nous ont tués ce soir. Oui, il y a eu la guerre chez nous, on espérait cette coupe. Drogba nous a eu, Drogba nous a eu. Chien. Le sang a trop coulé chez nous et je pense que c'est à cause de ça qu'on n'a pas eu la coupe. Je pense que vraiment, on l'a mérité. Dieu a dit, le sang a trop coulé en Côte d'Ivoire, donc la coupe n'ira pas. On l'a mérité. Voilà, maintenant je dis merci à mon chéri Bonnie Wilfried, tu as très bien joué, tu as marqué au moins un but. Voilà.